Bien, j'ai commencé à fabriquer les tambourins à cordes le jour même où est venu un musicien d'un grand groupe de musique béarnaise locale, enfin, ouais, qui s'appelait à l'époque Luz de Nadao. Plein de bonne volonté, et puis finalement, comme c'est un peu mon métier, je me suis dit, ok, allez, donc je m'y mets. Donc ils m'ont montré un exemplaire de tambourin à cordes. Et voilà, c'est ce jour-là que je me suis mis pour la première fois un tambourin à cordes. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Et puis depuis, voilà, ça fait plus que 20 ans, voilà, que je suis là-dessus. Le système d'accordage du tambourin à cordes, il est basé sur des grosses chevilles en bois qui tirent sur des grosses cordes. Sauf que quand on veut jouer avec des instruments à ton juste, comme commençait à le faire Nadao à l'époque, il faut que l'instrument reste accordable. Il reste accordé juste. Et puis qu'il ne faut pas qu'on passe 20 minutes à l'accorder. Le toucher, disons qu'il a une importance au niveau de la finition, de l'instrument. C'est-à-dire, une fois que l'instrument il est fait, bon, ben voilà, si, faut pas que ce soit râpeux, faut quand même que ce soit lisse. Donc là, il y a un travail, quand même un gros travail de ponçage, de finition. Voilà. On va sentir avec les mains, on va passer. Et puis, lors de la fabrication également, c'est quand on va venir donner la forme à l'instrument, ben, déjà on sent la régularité donc, de l'instrument. Bon, tout ça, c'est important, quoi. On travaille constamment avec nos mains, quoi. Tout est important dans l'instrument, tout va influer, quoi. Le chevalet, la façon de tailler le chevalet, l'essence choisie, les taquets, l'essence choisie pour les taquets, la façon qu'ils sont travaillés, tout influe pour le son. Et les ouïes aussi également, quoi. Quand on tape là, voilà. Pour répondre aux demandes des profs qui enseignent la musique traditionnelle, j'ai conçu un tambour à cordes spécial pour les enfants. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une réduction par un coefficient diviseur. J'ai réduit toutes les proportions d'un tambourin de base. Il fallait des instruments plus petits, mais qui soient des instruments de musique et qui aient des qualités sonores Le tasseau avant qui est évidentes. trop grand, évidemment. Voilà. Et puis on mettra la table d'harmonie voilà, par-dessus qui va venir affleurer ici. C'est ma toute première table d'harmonie de tambour à cordes. Donc c'est du vrai être. Du vrai être des Pyrénées. Enfin, je suppose. Je joue comme soy arrestat au monoxyle. Et à la faille sous vieille de la cour d'Alousta Maurice, la place Claus en bouche. Ici, dans la vallée, quand même, une sorte de tamouris qui sont taillés dans la masse, monoxyle, qu'ils aiment, qu'ils disent tatao, qu'ils se parèchent. Et donc, c'est quand même deux tailles, treize, mais ne trouvons pas la petite, que j'ai une taille méjane, à questa, qui est, et la taille grande qui joue le mes ici. En Aussau. Los bues que son en Azerou, en Nouguè ou en Cerisè. Voilà, donc bon. Et après, c'est las formes que son enfin, que j'ai forme, que son copias de vieilles samouris. Ou Bichard qui trouve musiciens qui veulent une forme, la loi forme, donc qui peuvent créer des instruments
à la demande de 12 musiciens. Voilà. Que jouons quasi tous les thèmes dans les carrières. Donc, il y a besoin d'instruments à jouer dehors qui baillent en dessous et qui accompagnent plat la musique de dehors, la musique de la ceste des villages. Donc sur un tambour à cordes, bien, il existe donc autrefois on utilisait beaucoup de cordes boyaux. Aujourd'hui aussi, heureusement, parce que le timbre du boyau quand même, il est pas très comparable aux cordes synthétiques. Et puis après, le principe d'une corde, c'est que dans une corde, ce qui est important de savoir, c'est que plus il y a de fibres, plus il y a de liens dans la corde, meilleur sera le timbre de la corde. En fait, c'est ressenti toujours pareil, hein. C'est que le son, mais il va être plus chaud, il va davantage nous parler, il va être vraiment beaucoup plus agréable. Les cavaliers vont permettre de prolonger un petit peu l'écoute de la corde en faisant donc une petite vibration qu'on va accentuer ou pas. Dans les instruments, il y a des marches de transmission. Ouais. Mais pour que passe, qui est partie du tribal, des transmettre qui me permet de jouer d'après les messes et des messes placounées chez le maître tribal. Pour le moment, que tribal soule sous les instruments, qui est partagé avec ceux qui travaillent dans l'abjou, ainsi, dans l'entreprise. Après, tu transmets pour le moment qui passe par la recherche et la discussion avec les autres de ce qui est fabriqué. Qui est rien à table, les huitièses, si vous pouvez me parler des huitièses, les autres de ce qui sont mes huitièses qui jouent. Mais tout ce qui garde les petits secrets, les petits trucs. Comme ça, il y a du petit libre dans toutes les décorations qui existent et là, ce qui pense pour qui et qui sont motifs de la valeur. Et après, c'est le musicien qui est celle où la sous causée de ce qu'il libre. Et on va le faire donc. Traditionnellement, en Vallée d'Ossau ou dans d'autres endroits, le tambourin était accompagné de la flûte. Et la flûte demande beaucoup de dextérité. Et une fois qu'on est débarrassé, en gros, de la flûte, on peut rajouter le tambourin. Alors que je sais qu'il y en a qui apprennent le tambourin et la flûte en même temps. Bon, peu importe, moi, c'est chacun sa pédagogie. Mais moi, j'apprends la flûte. Et après, le tambourin... Il faut du temps. Il faut du temps pour s'en libérer. Et le temps, je ne l'ai pas ici. Moi, j'ai une demi-heure à remplir. Donc, je ne vais pas passer, je sais pas, 10 cours à taper que sur le tambourin. Ça. Le tambourin
tambourin, c'est quoi? C'est une percussion. Et une percussion n'est pas. Ben, elle peut être utilisée comme l'entend l'artiste. Puisque... Mais c'est que ça, ce qui permet ça aussi, c'est la sonorisation. C'est-à-dire qu'autrefois, le tambourin servait pour marquer le rythme, pour faire le bourdon, et ainsi de suite, accompagner la flûte. Mais maintenant, comme on peut les sonoriser, on peut sortir des sons qui ne seraient pas spécialement très audibles si on faisait que taper dessus. Taper dessus sans avoir la sonorisation en plus. Donc les nouvelles technologies amènent aussi d'autres techniques et d'autres intentions artistiques. Ça, c'est bien, mais... Si tu veux pouvoir jouer des heures du tambour à cordes, il faut que tu sois très souple. Si tu es raide comme ça, et que tu vas jouer au bout d'une demi-heure, tu vas avoir des crampes. Hein. Donc je corrige des défauts de poignet. Il y a beaucoup qui tapent raide. Ça, c'est fatigant. Et nous, avec cette batterie un peu curieuse, on doit avoir aussi, c'est mon opinion, le poignet très souple. Nous, on est fort faible. Binaire, ternaire, pour ceux à qui ça parlera, on sera toujours binaire au tambourin. Pam, 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 da, pa, da, pa. Nous, on sera binaire, l'air est ternaire et on tapera binaire. Donc, un musicien traditionnel, c'est comme un musicien classique, il faut du temps. Maintenant, tu vas essayer de tenir le pimbou au milieu. Les instruments de musique, toutes les flûtes, je fabrique en buis. Et comme on dit ici, en espella, en basque, on dit espella. Justement, ce bois-là, il a une forte densité. Donc on l'utilise pour faire les instruments de musique, pour sa densité, parce que le son est beaucoup plus pur quand le bois est très dense. Et souvent, on prend le buis, on élimine le cœur, et on prend dans le fil du bois pour choisir la meilleure partie de ce bois-là. Et par contre, on le laisse sécher, on le débite de suite, hein. On lui fend le cœur. On lui fend le cœur pour justement pour pas qu'il se fende à partir du cœur et qu'il s'éclate, quoi. Et donc on le laisse sécher après en carrelé pendant pas mal d'années. La flûte fait la tonalité de la flûte, la longueur et le diamètre de la perce. On peut faire une flûte à trois trous avec une perce plus petite ou plus grande et de la même longueur, mais elle ne sera pas de la même tonalité. J'ai mis la clé. C'est toujours, c'est pas que j'ai l'oreille musicale, mais à force d'en faire, j'arrive à trouver la bonne et la mauvaise flûte, quoi. C'est presque pareil, hein, toutes. Hein. Pour ainsi dire, elles sont pareilles. Mais bon, il y a un petit truc, des fois, il y a une préférence. Et par contre, moi, pour moi, j'en préférerais une. Tandis qu'un joueur va arriver. Ah non, c'est celle-là qui est meilleure. Un autre qui arrive, mais c'est. Voilà, c'est complètement différent. Hein. C'est chaque personne. Alors moi je fais toujours la flûte vraiment traditionnelle. Je l'ai fait en deux parties qui se démontent. Bon, je préfère ce style-là, garder la tradition comme avant, quoi, un peu. Garder l'âme qu'elle avait avant, quoi, voilà. Et bon, ici en Soule, on aime bien qu'elle claque un peu, qu'elle soit un peu puissante, hein, forte, un peu comme le chant qu'il y avait ici, et la façon de s'exprimer aussi, parce qu'on a tendance à s'exprimer un peu fort. Quoi. Thank you.
Ben disons que c'est le bec, pour, à mon sens, c'est c'est l'âme d'un violon, quoi, quelque part. Donc, mais le son de la flûte et l'émission du son est généré tout à fait au départ du bec, de l'embouchure, jusqu'au biseau. Cette partie-là, c'est la partie, disons, le biseau étant la partie où l'air vient vibrer. Tous ces paramètres font que la flûte a un son plus ou moins riche. Voilà. Après avoir fait le tournage de la flûte, on implante les trois trous. Ces logements ici ne sont pas faits que pour l'esthétique, ils sont faits aussi pour la justesse. C'est-à-dire que plus on descend la cheminée, plus la flûte, la note sera légèrement plus haute. Si le diamètre est plus gros et la cheminée est beaucoup plus basse, la note montera. Si inversement on réduit le trou et qu'on redescend la cheminée, la note sera plus grave, plus basse. Type de flûte, on joue à doigté ouvert, c'est-à-dire que la note doit être juste en ouvrant les doigts, sans forcément refermer un autre doigt, c'est-à-dire que la gamme c'est ré, mi, fa, sol. Et depuis 80, sincèrement, je n'arrête pas de trouver des nouveaux trucs, des petites choses, des détails, mais c'est toujours le petit détail qui fait le petit plus, enfin à mon sens. Que l'autre sonne mieux. Il a travaillé un peu, donc maintenant il va falloir que je le reprenne un peu pour le mettre à la bonne hauteur.